Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est mardi 16 janvier 2024. Bienvenue dans le journal là. Actualité à sous plan national, li dominé par gros mobilisation qui était annoncée par ancien sénateur Guy Philippe. Eh bien, révolution qui transformait en désobéissance en civile après que il était gain pour entrer en dedans l'organe. Eh bien, gagné magistrat en dedans l'organe Enzo Henry lui-même qui était décidé baillant eh bien ancien sénateur à quatre rouges pour pas entrer en dedans ça après. Wow, après gros action ça, eh bien Guy Philippe lui-même li lancé désobéissance en civil. Depuis hier, action commencée, mobilisation tout côté. C'était première journée mobilisation. Eh bien, jodia encore une fois de plus, gagné Okaï, Miragouane, Léogane, eh bien, ni tout côté campé capable de manifester pour poter coller, collaborer ensemble avec eh bien, ancien rebelle là pour comment qu'il est capable eh bien retirer Ariel Henry non sous pouvoir yon façon population lui-même li capable de jwenn mosso sécurité. Eh bien jodia effectivement c'était une marée humaine qui te gagné en dedans au caille ensemble avec Niplan en pile en majorité activité eh bien pas capable arriver fonctionner dans deux départements ça yo et surtout en dedans Jérémy depuis matin bien bonheur aux environs de 7h 8h du matin moun te commencé à rassembler pour que capable eh bien fouler béton fouler macadam non pour que capable eh bien retirer Ariel Henry sous béton eh bien n'importe Port-au-Prince tout eh bien en sous route Delma c'était gros bafan en pile moun eh bien te mette quoi au dehors pour que capable commencer faire un seul ensemble avec tout l'autre département yo pour manifester pour courir derrière Ariel Henry. Dans le cas de mon qui rejoint Guy Philippe, gagné Bob Sely même un journaliste ancien journaliste Radio Caraïbes, lui-même qui était déjà poté collé pour qu'il capable bailler 80% dans richesse pour capable et bien retirer et Ariel Henry dans poté soutien ensemble avec Guy Philippe qui fait qu'on est lui-même dit capable bailler sécurité ensemble avec population haïtienne et Dozenit lui-même qui c'est un entrepreneur qui t'est décidé bailler tout ça qu'elle gagnait et il t'est déjà fait. Et Guy Philippe connaît que quel que soit n'importe ça qu'il même les nécessité c'est faire le connaît il suffit que c'est un bagage sérieux qu'il même lui a réglé pour aider population à joindre mosso sécurité et bien dernier monde qui décidé collaborer porter soutien ensemble avec Guy Philippe c'est eh bien leader parti petite Dessalines qui c'est Moïse Jean-Charles lui-même qui décidait quel que soit n'importe monde eh bien qui décidait manifester eh bien c'est marcher contre ensemble avec lui et là marcher contre ensemble avec yo pour voir comment qu'eux même yo capable chavirer eh bien pouvoir ça pour retirer système pesé sous CA pour que capable eh bien retirer même Ariel Henry ça tout le monde a demandé pour qu'il soit capable de retirer l'an. Et bien, dans ce sens, eh bien, monsieur Ali déclare, les amis internautes, ancien sénateur, c'est que même à partir de jeudi, Ali même, lui annoncé avec tout un partisan Petit Desalines, depuis le 25 janvier, qu'a venu là, arrivé jusqu'à 7 février, il a commencé à manifester parce que faut qu'il fait un seul ensemble avec Guy Philippe pour que yo capable chavirer chaudière mettre le tête en bas pour que yo capable recommencer cuit manger qui doit manger pour que chaque monde en dedans population capable joindre manger pour yo manger et bien madame mademoiselle dit monsieur Guy Philippe lui-même déclaration qu'il même lui fait li gen pour rentrer en dedans Port-au-Prince et population Port-au-Prince yo même yo décidé d'après toute information l'en cap garder jodi a yon divers en vidéo et bien nan manifestation qui te gagné yo t'a manifesté pour que capable mandé pour Guy Philippe entrer pour le prince pour que capable accueillir tant quoi et pour capable jeter Ariel Henry parce que c'était en pile gros et parole piment bouc yo t'a lancé contre Ariel Henry nan manifestation sa yo. Yo l'autre côté zami internaute en situation li extrêmement compliqué pour ancienne directrice en CA Esta Edwin Tonton, les mêmes côté que santé a dégraba. Et bien, madame ça, tout le monde connaît, je que nous t'ai annoncé dans diverses émissions que nous t'ai gagné sous Chanel Papa de Saline, dans l'émission Parler pour Haïti, c'est une monde qui t'a coupé raché en dedans.
caisse assistance sociale là en bas dans avenue 1 prolongé. Et bien puisque lui-même gagné ULCC qui t'a demandé et qui fait connaître dans rapport que lui mité vers outil madame Edwine Tonton c'est un monde qui dans corruption et bien pas un good lesco qui t'est capable rester en dedans caisse CAS là et bien gagné Wilner Morin lui-même qui t'a demandé pour que madame n'est capable et bien présenter dans carrière et bien puisque après divers ans et après diverses invitations madame dans lui-même il pas tant et bien présenté après un mandat qui ont metté derrière madame n'est arrivé présenter les amis internautes et bien après diverses auditions et bien qui s'est passé madame n'était obligée et bien Morin t'a demandé pour capable fourer mamzelle dans dépôt parce que lui-même ni complice dans toute cob et bien cap perdu dans caisse assistance sociale dans sens ça et bien hier lundi amis internautes gagné dit plusieurs avocats madame non me lever pour que capable mander amis internautes ensemble avec la cour suprême pour que capable faire un m'élever pour madame et bien Edwine Tonton dans sens ça gagné ministère lui-même qu'il voyait j'étais bien loin demande ça et bien ministère public pendant le voyage j'étais bien loin et bien après quoi lui-même il fin analyser demande ça ministère expliquer amis internautes demandant lui-même il pas correspondant ensemble avec aucune réalité et c'est une raison gagné tribunal là lui-même il ba rendez-vous le 29 janvier qui vient là pour que capable essayer étudier possibilité pour qui ça capable faire est-ce qu'il y a quelqu'un me lever ou du moins est-ce que madame n'a apprêté en dedans prison pour sentir capable plus détériorer avec question problème ça qu'elle était entre la dedans qui c'est la corruption. Zami internaute, l'église catholique li frappé sérieusement dans moment n'a parlé là, et bien gen en pile moun qui a fait parler l'église normale. Gagnen Père Awol François lui-même qui dans l'église Saint-Lucie non Tipalmis passé un mauvais moment. Et bien gagnen yon fidèle qui c'est madan prêtre là lui-même qui fait le passé yon c'est des moments qui extrêmement difficile ensemble avec beaucoup de casserole beaucoup de chaudière dans tête lui et bien qui c'est Betsaïda lui-même hier soir aux environs de 8h li bat père puis fait le passé un moment extrêmement difficile dans la ville qui s'est passé gagné madame ça demoiselle ça lui-même qui gagné 23 l'année père li prend l'an li mette l'an li gagné 4 ans depuis que lui-même li remet ensemble avec père et père a joué dans jouet li pendant 4 ans et pendant 4 ans ça li prend li mette l'an dans un caillé nan en dedans Miragouane dans département ça et bien pendant li dans caillé là li trouvé l'an en dedans la Gonave côté que lui-même li gagné yon l'autre femme et bien demoiselle a lui-même qui senti ça lui-même li wè ville lui-même li menacé li senti ville lui-même li senti pas c'est pas rien qui lui-même li a réglé et bien pendant prêtre là lui-même li entré bagala pa être compliqué côté que lui-même il va choisir bat père dans toute partie dans col jusqu'à ce qu'il même arrive frapper père et père lui-même li obligé courir dans sens ça en pile monde t'a fait quoi que c'est en question de jalousie qui permet que père lui-même qui veut dame dans lui-même li obligé à bat père et d'après toute information et ben gen Betsaïda qui gen 4 ans ensemble avec père li fait connait que père lui-même li pas réglé rien pour lui malgré lui-même li fait 4 ans avec lui au lieu que pour que lui-même il t'a récompensé au contraire c'est l'autre petite femme sous côté li a cherché actualité à sous plan international gen la cause IOA lui-même bayan ancien président Donald Trump lui-même yon première victoire non investiture pour parti républicain et bien connaît très bien gen élection primaire lui-même qui commençait et bien président ancien président Donald Trump lui-même qui te paraît en favori dans l'élection ça et mais c'est une raison gagné la chaos lui-même li bay ancien président et bien ça que l'o yon premier gros victoire et bien c'est capable gagner l'autre victoire tout mais quand il s'agit première victoire c'est Donald Trump lui-même qui remportait la mayol gagné forum économique Davos lui-même qui déroulé hier dans pays la Suisse en présence ukrainien en présence président ukrainien qui c'est Volodymyr
Volodymyr Zelensky. Eh bien, deux présidents ont même profité de l'occasion. Ils ont parlé ensemble avec l'autre et même voyé tout à l'autre à travers la guerre qui a gagné en Ukraine. Voilà, amis internautes, ces informations ont été arrivées développées pour ensemble avec vous. Eh bien, nous avons compris, eh bien, journal ça qui en collaboration avec un VOA Creole, nous avons quitté ensemble avec VOA. Pour que vous capable de joindre plus de détails. Mon qui a présenté au journal ça, c'était un ami, Jerry Cheristal. N'a pas croisé demain pour un autre journal pareil. Or, un programme dans la langue créole haïtienne. Aujourd'hui, c'est mardi 17 janvier 2024. Moi, c'est Jacques Lambelizer, qui est un grand point cap dominé actualité. À caucus Iowa qui bat ancien président Donald Trump une première victoire dans la direction investiture pour parti républicain. Forum économique Davos là a déroulé depuis hier dans le pays la Suisse avec présence président ukrainien Volodymyr Zelensky qui critiquait en pile président russe Vladimir Poutine. Et puis dans le pays d'Haïti à Carnaval d'Inité n'a gagné en production nationale, c'est thème Carnaval Anessa dans Wanamet. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans VOA Créole rendez-vous info. Merci d'être choisi nous. Une autre fois encore pour informer nous. Et ben gros point d'actualité c'est coup d'envoi année électorale là ici aux États-Unis avec caucus Ohio qui baille ancien président Donald Trump yon première victoire dans direction investiture parti républicain. Qu'on y a candidat yo a concentré sous New Hampshire côté élection primaire a déroulé semaine qui vient là. Et donc Jean-Robert Philippe pratiquement c'est deuxième dans parmi une série activité électorale avant convention nationale de parti. On a parlé de rendez-vous New Hampshire Jean-Robert. Effectivement, on a dit que l'électeur républicain bail candidat qui se sent dominé dans le sondage, on a parlé de ce président Donald Trump, une victoire que un peu de monde était attendu à ce que ça t'a privé, mais il n'y a pas d'attendre à ce que marge qui sépare lui-même avec l'autre deux autres candidats qui tout près lui, tape aussi grand que ça. Donc c'est une victoire qui balance, ça n'est le momentum. Pour aller dans l'élection primaire, qui a commencé sur le prochain jeudi. Mais c'est fait, ça fait partie de toute une série d'élections qui vient pour dérouler, élections avec caucus qui vient pour dérouler jusqu'à avant d'arriver dans la mi-année, les délégués au pral officiellement désirés, candidats qui ont présenté dans la convention nationale, que ce soit pour démocrate, que ce soit républicain. Ancien président Donald Trump a mené campagne dans New Hampshire ensemble avec l'autre candidat qui a cherché nomination parti républicain pour l'élection présidentielle novembre 2024. L'élection primaire New Hampshire a fixé pour mardi 23 janvier. Activité ça a mené après victoire ancien président emporté dans le caucus Iowa lundi 15 janvier avec 51% voix devant deux proches compétiteurs dans le pays de gouverneur Florida Ron DeSantis qui finit deuxième avec 21% voix et ancien gouverneur Caroline du Sud là Nikki Haley qui est même ramassé 19% voix. Entrepreneur Vivek Ramaswamy qui finit quatrième a abandonné tout cela pour endosser ancien président Donald Trump. Asa Hutchinson, un autre candidat, mettait fin à la campagne à la tour après caucus Iowa qui gagne 40 délégués républicains. Caucus Iowa a lancé campagne électorale là avec une série d'activités électorales qui aboutent dans la mi-temps année avant la convention nationale parti républicain avec le parti démocrate là à côté des délégués pour le désigner officiellement candidat qui a représenté le parti dans l'élection présidentielle novembre 2024 là. I'm excited, very excited. It's my first time. Moins content. C'est la première fois que je participe à un concours. C'est comme ça, Sakamore t'a exprimé après qu'il a fini de voter dans la soirée en faveur de l'ancien président. Sakamore, un immigrant qui sortit dans la République tchèque, passe un bon bout de temps à faire recherche sur le processus caucus là avant d'y voter pour supporter Donald Trump. Mes politiques, toute bagarre était marché bien sous l'administration Trumplan. Pas de guerre la guerre, économie était en forme, frontière pas de l'ouvrir, ça qui bam en pile test chargé. Ancien président Donald Trump, qui te prend la parole après victoire, remercie le grand peuple Iowa. Merci. Nous aimons nous tous. Victoire Trumplan représentait plus hommage aucun candidat républicain jamais emporté dans l'histoire caucus là. I think the people that were absolutely determined
Je ne vous dis qui votait en aidant dans une jeune école déclarée. Moi, je connais quelques électeurs qui voulaient venir participer, mais la neige a empêché de faire ça. J'ai fait tout ça, j'étais capable pour être présent. Moi, je connais quelques personnes âgées qui n'ont pas été capables de sortir à cause de la glissée. Goudi a voté en faveur du gouverneur Floride, là, Ron DeSantis, qui finit deuxième, devant ancien ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, Nikki Haley. Homme d'affaires vivait Wa Maswami, qui finit quatrième, abandonné tout cela et puis endossé ancien président Donald Trump. Démocrates et républicains ont d'habitude participé dans le caucus Iowa, mais Anissa, démocrates ont choisi pour électeurs voter par la poste, à possibilité pour le président sortant, Joe Biden, remporter le résultat final là. Démocrates concentrés sur l'élection primaire Caroline du Sud de préférence, qui a déroulé en février comme premier pigot événement électoral. Malgré critiques comme quoi Iowa, pour eux-mêmes, avec New Hampshire, pas diversifié assez pour jouer un rôle important en commencement processus électoral. Une décision, ancien gouverneur républicain Terry Branstad, pas d'accord. Joubert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis l'autre gros point cap dominé actualité internationale, c'est définitivement guerre entre Israël avec Hamas là. Et bien, bataille féroce a continué entre Israël et Hamas dans Gaza. Côté plus passé 158 moun perdu la vie, parmi eux 7 moun. Sandra Lemaire a vina pour nous avec détail. Vidéo l'armée israélienne non publiée montrait troupes avec machines blindées à Goumen dans Gaza. Il y a un citoyen qui dit journaliste Reuters que tank israélien te menait opération dans zone bonne Gaza que yo te quitté semaine passée à et puis déclenché bataille plus intense qui déroulait dans zone nan depuis jour de l'an. Dans matin, moun te kawè la fumée dans ciel là et puis système défense israélien Iron Dome là cap descend au but militants palestiniens yo lancé. Observateurs ont considéré ça comme preuve de ce que militants ont toujours une capacité pour lancer obus contre Israël plus passé 100 jours après commencement la guerre. Gagné obus qui tombait sous ville Netivot dans Israël, personne pas blessé. Israël dit troupes liées ont tué plusieurs douzaines combattants Hamas dans nuit là pendant bataille qui était déroulée dans Beit Lahia qui situé dans point nord Gaza. Palestiniens au bon côté pas ont dit ils ont attaqué dans Rafah tout près frontière Égypte là, tué presque une douzaine de membres, deux familles qui t'apprend souper. Zahir Abu Zarifa t'est transporté cadavre petit garçon li Saïf qui t'a gain 7 ans que li dit t'a monté bicyclette tout près l'école li le li t'est mouri li m'a des petit li pardon parce que li pas de ca protéger. Autorité la santé Gaza yo dit gain 158 moun qui mouri pendant bombardement israélien yo pendant 24 heures passé yo. Ça fait bilan victime yo après 4 mois bataille rivé à 24 285. Gain plusieurs milliers l'autre cadavre Ukraine qui enterré en bas des combes. Il y a un petit bébé israélien qui relève que Kfir Bibas a gagné 9 mois le Hamas te prend en otage ensemble avec famille. Jodi a ses fêtes li. Famille était fêté premier anniversaire li sans présence li avec un gâteau, ballon, photo et puis bénédiction. Pendant un cessez-le-feu qui a duré 7 jours, Hamas a lagué 100 otages, cependant gagné l'autre 100 moun que yo toujours kembe. Attaque israélienne yo la cause moun Gaza obligé courir quitter Kayo plusieurs fois et puis causer une crise humanitaire à gratter manger gaz et puis provisions médicales. Israël t'est lancé la Gaza n'a pas appelé pour déchouquer militants Hamas yo après yo t'est lancé une attaque dans sud Israël 7 octobre qui était la cause 1200 moun t'est mouri. Sandra Lemaire, VOA Creole. Pendant ce temps, en New York même, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit situation très grave dans Gaza et sa balle en pile qui est sautée. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis depuis New York. Nations Unies dit situation humanitaire dans Gaza, pas un mot pour décrire tellement li gravement grave. Et puis, yo doué by aide. Secrétaire général Antonio Guterres fait connaître que assistance humanitaire cap délivré dans moment très loin de quantité aide qui vraiment nécessaire. Guterres s'y plié des parties qui dans la guerre pour respecter loi humanitaire internationale, respecter et protéger civils et puis assurer que besoin essentiel yo satisfait. L'ité dit tout que li profondément inquiété par situation et sécurité population dans West Bank là, dans Liban, avec zone
mer rouge là grave. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres mandé pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans zone Gaza. Pendant bataille Israël à Hamas là t'est passé étape important 100 jours depuis conflit a été commencé. I once again demand the immediate and unconditional release of all hostages. Moi mandé une autre fois encore pour yo laguer tout otage yo immédiatement et sans condition. Dans temps ça, yo doit traiter yo avec humanité et puis yo doit permettre yo recevoir visite et assistance dans main communauté internationale la Croix Rouge là. Nothing can justify pas gain rien qui ca justifier punition collective peuple palestinien. Situation humanitaire dans Gaza pas gain mot pour li aucun côté et personne pas en sécurité. No one is safe. The United Nations and our partners cannot effectively deliver humanitarian aid. Nations Unies ak partenè yo pa ka effectivement bay aide humanitaire pendant Gaza en bas gros bombardement tout partout et sans rete. We are seeking to ramp up the response. N'ap chèche augmenter réponse aide yo, mais nous besoin conditions de base yo en place. Parti yo doit respecter loi humanitaire internationale là, respecter ak protéger civil yo et puis assurer que besoin essentiel yo satisfait. État supposé gagne une augmentation des réserves commerciales yo ak marchandises essentielles yo. The cauldron of tensions in the occupied West Bank. Chaudière tension yo dans West Bank occupé a bouilli ak violence qui vient pi gros et qui aggrave une crise fiscale qui déjà terrible autorité palestinienne yo. Tension yo retourne la mer rouge là et puis loin yo ka bientôt impossible pour kembe. Moi gen grave inquiétude sous échange tiré yo ka fait chaque jour à travers l'île bleue. Risque ça yo ka déclencher une escalation pillage entre Israël et Liban et puis profondément affecter stabilité régionale des dizaines de milliers de monde dans nord Israël là ak nan sud Liban qui yo même déplacé à cause bataille là. Accès avec aide humanitaire dans Liban a continué gen contrainte. Moi profondément inquiété par ça ka déroulé dans zone. I am profoundly worried by what is unfolding. C'est comme ça, secrétaire général Nations Unies a parlé sous conflit entre Israël et Hamas là. Non point pour la presse que le fait dans quartier général Nations Unies dans Manhattan, New York. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. N'a quitté New York, nous parlons en Europe, côté la Suisse. Dans une ville qui est Davos, a recevoir pendant 5 jours un gros forum économique qui fête chaque année en Alouette à Bibouille. Forum économique mondial Davos là, édition 2024 là a déroulé dans pays la Suisse depuis hier lundi 15 janvier et l'a fini vendredi 19 janvier qu'a venir là. Thème année ça c'est reconstruire confiance. Dans l'occasion sommet ça, président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que président russe là Vladimir Poutine a continué avec invasion là dans Ukraine même si gros combat yo t'a campé, il dit leader russe là c'est un symbole la guerre même. In fact, Putin embodies war. We all know that he is the sole reason why en fait, Poutine incarne la guerre. Nous tous connaissons la seule raison qui est persistance dans diverses guerres et conflits et échec dans toute tentative pour établissement la paix. Il n'y a pas prêt à changer. Et leader ukrainien qui continue à demander plus assistance dit si on pense que c'est seulement une question Ukraine, eh bien, il trompe grandement. Et l'autre fois encore, guerre la Russie dans le pays ukrainien a dominé sommet Davos là, a tout y focus l'OTAN sous l'Asie, sous région transatlantique là. Jens Stoltenberg, c'est secrétaire général l'OTAN. I visited Japan and South Korea, close partners of NATO. They are concerned about moi visité Japon à Corée du Sud, qui s'est partenaire très proche de l'OTAN. Yo n'ai qu'à sauter sur ça qui a passé en Ukraine. Parce que yo connaît plus Poutine remporter la victoire sur Ukraine, c'est plus une possibilité pour Pékin utiliser la force. Et M. Stoltenberg continue pour le dire, lui croit que ça a passé en Asie important pour l'Europe. Pendant ce temps, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé à l'Elio dans l'Occident pour aider le pays à gagner plus de supériorité aérienne dans la guerre contre la Russie, pendant qu'il a ajouté que Kiev revendiquait responsabilité pour destruction de avions combat russes sous la main Azov, hier lundi 15 janvier. D'accord, nous dit déjà sommet Davos là qui commencé hier lundi a fini vendredi, il réunit 60 chefs d'État et chefs gouvernement, semblé un paquet de directeurs général ONG. C'est une occasion tout pour gagner quelques gros rencontres ou rencontres multilatérales ou bilatérales. Par exemple, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a profité pour rencontrer président de la Commission européenne Ursula von der Leyen. C'est un sommet qui a déroulé en bas gros la neige dans pays la Suisse. We'll be right back.
Et oui, sur VOA Creole, on a suivi un programme dans langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info, c'est deuxième sortie nous pour ce maintenant. Actualité à dans le pays d'Haïti, non Guy Philippe, l'autre fois encore dans l'actualité, il y a des gens qui prennent la rue aujourd'hui pour manifester en faveur et ancien sénateur élu grand dans cela, Guy Philippe. Massado Villemé, Abdi nous plus. Partisan Guy Philippe, dans Port-au-Prince qui te prend la rue pour faire qu'on ait eu pareil pour faire révolution. Ancien sénateur élu grand dans cela a prôné depuis après libération dans la direction centrale police judiciaire des CPJ. C'est révolution. Avant de la 1804, nous faisons cérémonie pour Caïman. Nous faisons fêtière avant de célébrer. C'est sous bataille, nous ne faisons pas gratuité. C'est français, on débat. Je dis à nous pas battre Ariel, à tout Ariel, pour ne pas nous payer. Parce que bien, nous sommes meilleurs. Si pote Guy Philippe kwè, c'est un impératif pour gagner une révolution qui fait dans le pays. Cependant, depuis après déclaration ancien chef rebelle là dans date 14 janvier passé, moun capable tande en pile coup de balle qui a chanté dans différentes zones région métropolitaine Port-au-Prince là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Villemé pour VOA Créole. Merci Massado Villemé, t'es gagné en pile levé campé plusieurs côtés notamment dans Kafou, dans Jérémy même côté nous gagne Mackenson Charles qui t'a expliqué nous qui situation est. Pendant ce temps gagné ancien premier ministre Claude Joseph qui continue à réclamer démission premier ministre Ariel Henry dans tête primature là. Ou dans tout cinq détails, il est dans Port-au-Prince. Ancien premier ministre Claude Joseph qui c'est leader parti politique engagé pour développement aidé quoi c'est un impératif pour docteur Ariel Henry remettre pouvoir 7 février 2024. C'est aider qui t'a attiré attention opinion publique nationale tant qu'au international. C'est date 7 février qui n'a accord 21 décembre. C'est aider qui t'a dit 7 février 2024, c'est dernier jour Ariel sous pouvoir. Nous réitérons 7 février 2024. Pas de route, pas bois. Docteur Claude Joseph évoquait problème insécurité à kidnapping avec problème grand goût pour justifier des matchs liens. 30 mois après, résultat docteur Ariel, c'est misère, kidnapping, assassinat, vol et viol. 30 mois après, c'est insouciance, indifférence et incompétence. Nous pas suspendement dit tête nous. Comment un monde tant que docteur Ariel Henry qui passait dans Pampra fusion l'autre parti politique encore un monde qui était dans conseil des sages
dans l'année 2004. Il y a des gens qui servent la Valas, PHTK, Vérité, Unité. Il y a des gens qui ont supposé un homme de consensus décider qu'il y a un contrôle tout appareil, l'État, un véritable, et parce qu'il est pays a dans une véritable régression démocratique. Pour joindre démission Dr. Ariel Henry, la date 7 février 2024, ancien PM Claude Joseph plaidait en faveur support population haïtienne. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et dans la dernière déclaration pour le Premier ministre Ariel Henry, il dit année 2024, là, c'est une année électorale, côté que vous pral prend destin yo en main. Nous prenons dans la zone Canal, le comité Carnaval a lancé officiellement activité Carnaval dans Wanamet, dans mitan en pile tension qui gagne dans la commune. Nous gagnons sous place correspondant nous, Jodley Junior Saint-Ville. Comité Carnaval commune Wanamet l'a présenté tête li bay la presse dimanche 13 janvier 2024 là. Comité ça qui gagne 9 membres là-dedans, té tout profité lancer officiellement activité Carnaval yo en baptême à Canal Diten, n'a gagne une production nationale bien jam. Rémi Oxéan, c'est représentant mairie Wanamet là, en même temps responsable culturel dans comité a. L'a dit nous pour qui raison c'est moun sa yo choisi pour former comité a. C'est des jeunes dans la communauté qui identifient par tout secteur qui reconnaissent la capacité que vous gagnez dans réaliser événements culturels. Eh bien, mairie a fait choix de vous avec volonté que vous gagnez pour vous servir la communauté, pour vous vendre valeur à la mairie. Eh bien, vous prenez l'initiative pour que yo bay 2024 là yon carnaval nou Wanamet, yon carnaval kap chita sou dignité nou, sou valeur nou que moun Wanamet déjà construit, que la République embrasse. Monsieur Oxéan a possible pour le dire, li konnen réalité commune nan difficile, mais ça pas empêché yo vann valeur yo. Anéa, nous konnen difficulté gagné nan commune nan pa résoudre. Nous connaissons un ensemble de problèmes qui peuvent résoudre. Mais ça pas empêcher pour nous mettre en valeur culture la caille. Comité Carnaval 2024 là rejoint tout le monde qui a bataille pour dignité peuple haïtien. Président Comité Carnaval Wanamet là, monsieur Lukens Jean Noradin qui te prend la parole dans conférence là, fait connait activité carnaval yo déjà lancé. D'après ça le dit, pral gagner en pile surprise. Déjà carnaval Wanamet là lancé officiellement et puis 3 jours pral gagner en pile surprise, c'est 11, 12, 13 février. Déjà tout le monde joyeux carnaval, secteur privé a collaborer avec le comité pour que nous fassions Wanamet un bel carnaval, un carnaval de dignité, un carnaval de fierté. Lancement sa fête, dans le moment où un groupe protestataire, proche ancien sénateur Guy Philippe, qui lui-même lançait un mouvement Lire les Révolutions, a boulé caoutchouc, bloqué quelques rues dans la ville Wanamet depuis hier lundi jusqu'à jeudi mardi 15 janvier 2024. Là. Yon dossier n'a continué à suivre. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet. Pour VOA Creole. Et puis, actualité Canal la apmène nous dans le pays la France, côté communauté haïtienne, organisé un colloque pendant le week-end. Nous avons sous place et journaliste Franklin Edouard Jedems. Communauté haïtienne de France là organisé week-end 13 pour arriver 14 janvier 2024 là, y un rassemblement pour parler de pays d'Haïti, pour parler de canal la cap construit sous frontière Wanamet là et sous problème insécurité. Moi, prend 2 mois pour moi. Relier toute association qui est dans la communauté haïtienne, non, moi dis-moi, mon seul, qui organise un bail comme ça. Donc, c'est toute communauté pour porter en telle initiative pour nous accueillir. Dame, non, viens parler nous de mouvement ça qui, pour une fois, rassembler haïtiens, que nous vivons avec un sentiment de patriotisme, d'unité, de solidarité. Colloque ça, t'es invité plusieurs personnalités, genayo qui sont aussi dans le pays Canada, Guyane, et dans différents départements dans le pays la France. Mais invité d'honneur, invité spécial là, c'est Madame Wideline Pierre, porte-parole Canal là, qui sont directement dans le pays d'Haïti, Wanamet, vient brasser l'idée sur effort qui vous fait pour Canal là, qu'a fini, et qui effort qui vous fait tout, les canals là fini tout.
jodi en présence moi en France traduit nécessité pour me parler avec communauté haïtienne qui en France là qui d'abord t'ai embrassé dès le début projet ça grand projet ça que paysan plein Maribaou t'ai mené by peuple haïtien mais cependant paysan plein Maribaou t'ai décidé vienne prendre l'autre coup Manuel dans gouverneur de la Rosée pour te faire agriculture pendant deux jours colloque là sujet au débat sur aspect technique canal là pour de l'eau pas inonder paysan yo bon au départ oui c'était paysan yo qui t'ai vienne percer canal là avec des boss qui t'ai commencé travail mais par la suite là nous vienne rejoindre yo nous constituer un groupe et d'ingénieurs d'architectes qui pour faire un travail technique participants ont été contents et ont rechargé batterie détermination yo pour yo dire canal là pas camper partout côté de passer quel que soit côté nous arriver donc c'est même nouvelle là même en Guyane française qui ont un comité côté canal la pas camper donc nous commencer ramasser des dons etc pour permettre que nous même tout nous participer donc ça veut dire quel... Et justement nous profiter de l'occasion ça pour nous prouver que nous capables de travailler ensemble et me pas capable là aujourd'hui. L'idée nécessaire pour nous être capable de joindre avec madame Widlin Pierre pour nous te parler de spécificité canal là. Parce que nous trouvons que le canal là, c'est un défi. Et le canal là, il peut regrouper chaque grenaïsien qui commence à regrouper. Jedemson, Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole. Merci, Jedems, VOA Creole, en direct depuis Washington, Asian Prestigious Award. Jude, on se reprend, dis-nous, qui s'allie et qui j'en déroule. Et qui VOA Creole, là, retrouve le journée aujourd'hui à la ville North Miami. Nous venons participer dans la 8e édition Prestigious Asian Music Award dans North Miami. C'est dans Julius Littman, théâtre dans la ville North Miami, que 8e édition Prestigious Asian Music Awards est arrivé déroulé samedi 13 janvier 2024 là, en présence d'un public attentif et motivé pour l'occasion. Après la parole et bienvenue à maître de cérémonie James Pierre, divers artistes haïtiens ont performé chant, danse et musique qui te bail plaisir. Yon total 26 personnalités publiques te recevoir awards pour travail yo et on valait 25 artistes te joignent l'honneur et respect pour Zé Baptistique yo. L'important pour nous signaler que c'est guitariste compositeur Keke Belizer, musicien pianiste cofondateur compa direct Richard Durozo et premier chanteur groupe Zinglin Gary Didier Pérez qui te recevoir pigo l'honneur yo. Gon pile fierté parce que gon paquet musicien haïtien qui travaille, c'est l'oral non disquaire pour regarder le volume de travail qui fait. Et moun sa yo, même paye ou pas paye ou voie pour ta honoré. Ça veut dire que son gros jour pour moi. Et je pense que moi bénéficier de en pile de sa public là, remet la caille. Et yo toujours remet jusqu'à présent. Et moi dis merci pour ça. Ouais. Dans finissement soirée, VOA Creole te parle tout avec Herbie Léveillé, principal organisateur Prestigious Haitian Music Award dans Miami. Et vous connaissez aujourd'hui, c'était un gros jour. Attention de vous, mais nous réaliser, merci encore, nous satisfait. Et parce que j'aimerais tout icon ça, que nous avons monté on stage. Il y en a qui ont été Belizer, il y en a qui ont été Gary, qui ont parlé longtemps. On est avec Durozo. Donc il a, mon cher Sophie, et encore. Et merci à tous les gens qui font des déplacements. Pour qu'on ait salle embellie, télévision est là, et tu manges à tes bien bon tout. Et voilà, tout ça va là dans le dos. Donc, quand même, en termes de notes, garde une satisfaction. Dans le finissement de la soirée, VOA Creole, tu as parlé avec quelques invités qui ont accepté by opinion sur le déroulement événement. Et je trouve que c'est un événement qui est assez extraordinaire, qui permet que tout Haïtien et tout le monde capable. Rassembler ensemble et ça qui t'a marqué un peu plus, c'est parce que ouais, tout le monde pote un seul message. Message qui est clé, c'est qui ça nous sommes capables de faire pour que nous sauver le pays d'Haïti. Ça qui m'a aimé, je remets tout le monde parce que pour tout Haïtien, Haïtien qui a performé, pas seulement qui vit en Floride, pour les gens qui sont au Canada, qui viennent qui montrer que il n'y a que nous chercher, que nous avons privé pour nous capables de vivre avec Haïti de m'échanger. Non, Pam, c'est Jude Onsre pour VOA Creole, North Miami, État Floride. Et
et c'est avec dernier coup de tambour ça que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. Merci d'être que une autre fois encore te répondre à l'appel. Nous remercions pour fidélité. Nous remercions tout le monde qui t'a aidé sur ça. Eh bien, viens joindre nous. Nous remercions Kila et Zami nous. Nous remercions le grand Fred Kaimit. Pendant que nous saluons gentil Augustin Junior lui-même qui en vacances. Nous dit encore bon retour à Jean-Robert Philippe. Et puis, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous d'avoir. Merci pour attention. Merci pour fidélité. Moi, c'est Jacques Belizier qui te prend plaisir présenter au programme. Non? Et nous avons cassé rendez-vous pour demain sur VOA Créole et sur toute l'autre plateforme pour capable gagner dernières nouvelles. Bonsoir.